enregistrons, pourquoi pas. Donc, Mincha, dans les Tefilah, Sharei Tefilah, donc Tefilah Blog, c'est à la page 94. Et dans le Petach Elio, on commencera à la page 112. Allons-y donc. חנון ורחום אדוני לך פעי מודל חסד טוב אדוני לכל ורחום מקום עשה ויוכן לכם עשיך החסד לחבר הלכוך כבוד מלכותך ימרו וכבוד חיל דברו להודיעו לבני האדם כבודיו וכל אדם מלכותו מלכותך מלכותו מלכותך 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 מלכותים וזוקף לכל הכפופים עלי כל אחי סבירך מלכותך שלך ומדביע לכל חייתן צדיק אדוני וכל ערכה וחסים ומעשיו כבוד מלכותיו לכל אשר יקחה הוא באמת רצוני יסר ששמונה גבוה ועקבק ושמי תהילת אדוני איך מדבר כבוד השם וקושו לעולם ועד ואנחנו רכים התיבת עולם הללויה Amida. עלינו שבח, אני קורא את האגרס שלו, אז אני מתחיל להגיד שזה של הסנאו. מישהו עוד אמר שאני מגיע שזה אופנה, איך אני מתחיל להגיד משלחים למחות את הפורכות. זה שאני לא יושב כאן, אני אגיד כמו משהו ממה לא עצמת לך, אם אני אגיד את אחר,
אמת, מה כן ואפס ואיזה פתר אורך ואיזה פתר חזונה ידעו שמאוד, על כן כאלה חזונה יועד מהירה בתשתוזיך, להאבים ומן הארץ, להאזינים כלי כעתון, לתקן עולם ראשך, ומוסיף בראש מחמדו חברת היסוד בראש 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 היסוד ולעומר ולכן אני אוהב יגענו ולמגד מן אחר כל הארץ ומגד אחד ושמו אחד. Voilà. Alors, comme vous le savez, cette semaine, donc comme on l'a expliqué tout à l'heure, cette semaine, c'est la sidra de Behar, Behrukotai, et qui donc conclut, enfin c'est surtout Behrukotai qui termine, qui conclut le livre de Vayikra. Ce que je vais faire, c'est que pour aller plus loin, je vais vous faire partager le texte du début de la sidra de Béhar. Alors, voilà, Bereshit. Tanakh, Bereshit, Vayikra, sidra de Béhar. Voilà, ensuite sur Zoom, je vous mets partage d'écran. Et comme ça, on devrait voir la même chose que moi dans quelques secondes. Voilà. Berkhotai, ça commence avec une obligation. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que avec l'école de mon fils qui est actuellement en maternelle, ils ont des cours sur la paracha également. Bon, c'est en version enfant. Et puis, c'est mignon parce que l'exercice qu'ils ont fait faire, c'est prendre. Il y avait des bonhommes, un bonhomme qui était dessiné avec différentes étapes. Dans une étape, il est en train de il laboure la terre. Après, il met ses petites plantes. Après, il revient, ça poussote, il coupe, il fait ses gerbes. Et après, eux, ils doivent découper les personnages et les remettre dans l'ordre. Qu'est-ce qui vient en premier? D'abord, on laboure. Après, on plante. Après, on vient, ça pousse. Après, on moissonne. Après, on fait des gerbes avec. Et ensuite, on les stocke dans la grange, etc. Et effectivement, c'est le cycle en fait, de l'agriculture qui était pendant des siècles le cycle le plus important que tout le monde connaissait, et maintenant on doit l'apprendre aux enfants, parce que sans ça, si on ne l'apprend pas à ce moment-là, quand est-ce qu'on va l'apprendre? Je me souviens avoir vu un article dans lequel on disait qu'ils avaient fait un sondage aux États-Unis, je ne sais pas combien de pourcentage pensaient que le chocolat au lait était directement trait des vaches qui produisaient du chocolat au lait dans les vaches. Donc effectivement, si on. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui peuvent être faites de manière artificielle qu'on ne sait pas exactement de quelle manière ce qui n'est pas artificiel produit. Et aujourd'hui, le bio, c'est quasiment, enfin, c'est plus la norme, quoi. Les choses qui poussent naturellement sans intervention de l'extérieur, c'est devenu, c'est un petit peu le produit de luxe qu'on va aller rechercher. Bon, alors, et on doit apprendre aux enfants, effectivement, de comment est-ce qu'on va prendre une graine, retourner la terre, la planter pour que ça germe, que ça pousse, etc. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que, effectivement, on s'est de plus en plus éloigné de la manière dont les choses poussent naturellement afin d'augmenter la rentabilité, d'augmenter surtout le.
le rendement, c'est-à-dire en fait, il va falloir en faire de plus en plus, et donc on va faire en sorte d'imaginer les moyens. On a toujours essayé d'imaginer de faire en sorte qu'il y en ait, d'en produire le maximum possible pour pouvoir en vendre le maximum possible, pour pouvoir faire le maximum de profit, etc., etc. Bon. Et dans ce processus-là, on s'est un petit peu perdu en cours de route, entre la manière dont on va faire en sorte de pouvoir au mieux éloigner les insectes. Alors, du coup, il y a la question des pesticides qui a commencé à naître, etc. Et pourquoi est-ce que cette réflexion, elle entre en compte complètement dans le début de la paracha de cette semaine? Parce que dans la paracha de cette semaine, au lieu de mettre la lumière, au lieu de s'intéresser à la manière dont la terre va servir l'homme, c'est-à-dire de quelle manière je vais m'en servir pour pouvoir produire ce que j'ai à produire, on se rend compte que la Torah voit plutôt la productivité de la terre comme un partenariat. C'est-à-dire qu'on regarde, regardez dans le texte que vous avez, Damer Abene Israël, je passe la souris dessus, Damer Abene Israël, Amartelhem, parle au Bene Israël, tu leur diras qui t'avoue où elle arrête lorsque vous arrivez dans la terre. Donc c'est un contrat qui est formulé avant qu'ils arrivent dans la terre. Donc c'est une condition. Voilà. La terre, vous ne l'avez pas encore, mais lorsque vous arriverez, donc ça précède même l'entrée en terre d'Israël. Lorsque vous arriverez en terre d'Israël, que je vous donne, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui vous appartient, c'est moi qui accepte de vous le donner. Donc je vois un doigt levé. Nathalie? Nathalie? Non? Si? Bon, je ne vous entends pas du reste. Excusez-moi, c'est les enfants qui Oui, toujours passent. pas. Excusez-moi. J'espère du coup vous m'entendez parce que moi je ne vous entends pas. Ah, ça va. Bon, moi je ne vous entends toujours pas, mais Non, bref. je m'excuse, c'est les enfants qui passent. Donc, je vais mettre en mute. En fait, votre micro se coupe automatiquement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Bref, quoi qu'il en soit. Donc, lorsque vous arrivez en terre d'Israël, terre que je vous donne, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui vous appartient a priori, hein, c'est moi qui vous le donne à condition que vous respectiez ce que j'annonce. Veshavta aretz Shabbat Lachem, la terre devra se reposer d'un repos pour Dieu. C'est-à-dire, en fait, vous avez un contrat qui nous lie tous les trois. C'est un contrat tripartite. Entre l'engagement que vous avez envers moi, l'engagement que j'ai, c'est Dieu qui dit ça, l'engagement que la terre a envers moi, l'engagement que j'ai envers la terre et l'engagement que j'ai envers vous. Donc chacun est engagé vis-à-vis d'autrui. Donc, même la terre a un engagement envers Dieu. La terre doit respecter son contrat envers Dieu, elle doit respecter Shabbat elle aussi. Et la terre doit se reposer. Pourquoi? L'Hachem. Parce que c'est de cette manière-là que Hachem a organisé la nature pour qu'une année, il faut qu'elle reprenne cette année donc de répit, de repos, comme nous, on a besoin de prendre cette année de répit, de repos. Sheshanim tizra sadecha, pendant 6 ans, tu pourras labourer ton champ. Et Sheshanim tizmor karmecha, et pendant 6 années, tu pourras planter ta vigne. Ve'asavta et tuvata, donc tu pourras ramasser donc la récolte, etc. Ou vashana hasheveit, par contre, la 7e année, Shabbat, Shabbaton, c'est le même terme qui est employé comme par exemple pour Kippour, Shabbat, Shabbaton, et un repos complet, Yel Aretz, donc devra être, la terre devra prendre, Shabbat la Hachem, donc un repos pour Hachem, ça déchalotisera cette année-là, ton champ, tu ne l'ensemenceras pas, et charmechalotismor, et la vigne, il ne faudra pas la planter non plus. Donc, on a dans ces versets, on se rend compte que c'est comme si la terre avait son identité propre. On peut s'en servir, en fait, on nous donne la permission de nous en servir, ou plutôt qu'elle nous serve. C'est même pas une permission, en fait, c'est Hachem qui demande dans ce contrat tripartite à la terre de servir l'homme. Et donc, il dit à l'homme, regarde, toi, tu peux t'en servir pendant 6 ans. Par contre, en contrepartie, je demande à l'homme de laisser une année à la terre. Donc il y a un engagement entre trois parties, le triptyque qu'on revoit très souvent dans la Torah, le peuple d'Israël, la terre, Hachem. On voit très souvent aussi le peuple d'Israël, la Torah, Hachem. Il se trouve que le liant entre ces trois-là, c'est la Torah. C'est par le biais de la Torah qu'il va y avoir ce contrat qui va rattacher la terre, le peuple d'Israël, donc le peuple d'Israël, la terre d'Israël et Hachem. Il y a beaucoup de commentateurs qui font remarquer que cette répartition des 6 années de travail
et de l'année de repos, on la retrouve de manière quasiment identique au niveau de l'esclave. Au niveau de l'esclave, c'est-à-dire du serviteur plutôt, celui qui, par exemple, a commis un vol et qu'il n'est pas capable de rembourser, plutôt que de le mettre en prison, alors il va offrir ses services pour rembourser le vol qu'il a commis. Et donc, on lui dira, si une personne donc a commis ce vol et qui doit être vendu en tant que serviteur, donc pendant 6 ans, il pourra servir. Par contre, la 7e année, eh bien, il devra sortir chofshi, donc il devra sortir donc libre donc de tous les méfaits, de tous les engagements qui l'ont précédé. Au maximum, le maximum qui pourra servir un maître, c'est-à-dire une personne auquel il va aliéner sa liberté, c'est le maximum, c'est 6 ans. La 7e année, il devra le libérer. Et après, le texte continue, mais si malgré tout, alors qu'il devait être libre, il choisit de ne pas être libre et d'aliéner de nouveau sa liberté, dans ce cas-là, il pourra partir non pas sur un cycle de 6 ans, il pourra partir sur un autre cycle qui va être le cycle du Yovel. Et là, et à partir de ce moment-là, il pourra continuer donc son engagement. Et que se passe-t-il si la personne arrivée au terme de son engagement décide de rester en tant que serviteur et donc de ne pas récupérer sa liberté? Il devra, le maître devait alors le poinçonner, c'est-à-dire prendre un poinçon, lui poinçonner l'oreille sur le linteau de la porte, donc la mezouza, et à ce moment-là, la personne pouvait se réengager, donc continuer son engagement auprès du maître. Pourquoi? Sur place, les commentateurs expliquent, c'est parce que l'oreille qui n'a pas entendu que tu n'auras pas d'autre dieu, c'est-à-dire qu'en fait, vous serez mes esclaves, mais pas les esclaves d'autres personnes. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque les Bnei Israël sortent d'Égypte, ils prennent l'engagement envers Dieu de sortir de l'esclavage égyptien pour accepter le joug de Dieu, c'est-à-dire devenir des esclaves, mais non plus pour un homme, mais pour Dieu directement. En cela, ils sont en fait d'une manière complètement libre, à condition de choisir de quelle manière ils vont perdre, entre guillemets, leur liberté. Ils vont plutôt investir leur liberté. Lorsque la personne accepte de s'engager dans cette servitude, parce qu'il n'a pas de quoi nourrir sa famille, etc. Donc, à la rigueur, ça peut se comprendre. Pour lui, c'est devenu un cas de force majeure, etc. Mais si, alors qu'on lui redonne la possibilité d'être libre, il décide malgré tout de sacrifier sa liberté, là, il est en train de transgresser l'engagement qui avait été pris que vous serez Abadai, donc vous serez mes serviteurs à moi, c'est Dieu qui dit vous serez mes serviteurs à moi, mais pas serviteurs de serviteurs. Et donc, il y a un engagement en sortant d'Égypte de ne jamais plus entrer volontairement dans une servitude de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est d'où le poinçon qu'il y a sur le poteau de la porte. C'est pas le seul cycle de 6 plus 1 qu'on peut remarquer. On le voit au niveau de la Shemitah, dans la paracha de Béar. On le voit au niveau de l'esclave, mais on le voit également, évidemment, dans le cycle de la création du monde. Pendant 6 jours, Dieu crée, et le 7e jour, il arrête de créer, ou plutôt il crée le repos. On le voit dans notre quotidien, nous. Pendant 6 jours, on aura travaillé, et le 7e jour, on n'a pas aura travaillé. Donc, c'est un cycle qui est récurrent. Mais c'est un cycle qui est récurrent et qui va nous donner à réfléchir sur un point qui rattache, qui relie tous ces lois différentes. Autant la création du monde, autant le cycle de l'esclavage, autant le cycle de la terre. Autant le cycle du Shabbat, évidemment. Dans tous ces cas dans lesquels on a un rapport à la nature,
un rapport, à part le cas de l'esclave, on va voir de quelle manière ça s'y rattache, dans tous les cas où c'est un rapport avec le cycle, donc avec la nature, que ce soit le Shabbat, parce qu'on a pendant 6 jours on travaille, on s'arrête le septième, création du monde, ou encore la Shemitah, dans tous les cas, il y a un rapport à la productivité, à l'utilité. On va se rendre compte que c'est un rapport à la liberté et c'est un rapport à nos libertés, en fait, dont il est question dans toutes ces questions de ce cycle de 6 plus 1. C'est-à-dire que pendant 6 jours, tu travailleras la terre, c'est la permission que Dieu nous donne pour le Shabbat. Pendant 6 jours, tu peux travailler la terre, ou tu dois travailler la terre du reste, ou travailler tout court, faire ta vie. Pendant 1 jour, tu dois arrêter. La terre, tu peux la travailler pendant 6 ans, pendant la 7e année, tu dois travailler. Dieu lui-même crée et continue à créer de manière permanente pendant 6 jours, et pendant 1 jour, pendant un cycle, pendant un temps dans le cycle, il s'arrête. Et alors, quel rapport avec cet esclave qui lui aussi donc est assujetti pendant 6 ans et pendant 1 an, il arrête de travailler? Bien, c'est le même rapport à la liberté. C'est-à-dire que il y a un moment donné, le 7e, c'est le moment où on doit se libérer de toutes les contingences matérielles, c'est-à-dire, ou plutôt de tous les profits possibles et de toutes les considérations qui vont mener notre vie habituellement. Pour ce qui est de la création du monde, y a rien de plus urgent et de plus important que de créer le monde. Eh bien, pendant 6 jours, on crée le monde, et le monde n'a pas fini de se créer. Le monde doit continuer à le créer. Et donc, à la veille de la fin, du début de la création, Dieu crée l'homme pour qu'il continue à créer le monde, et ensuite, il arrête. Et là, il instaure une nouvelle création qui est celle qui permet de pouvoir se libérer de toute l'urgence de la création. Ça, c'est au niveau de la création du monde. Pour le cycle de la semaine, ça va être pareil. Pendant 6 jours, on va être occupé à aller étudier à l'école, à aller étudier à la fac, à aller étudier à la yeshiva, à aller travailler, à aller s'occuper de tout ce qu'on va s'occuper, avec toutes les angoisses que ça peut générer. C'est-à-dire le savoir où va ma vie, qu'est-ce que je fais, de quelle manière je m'investis, le rapport aux gens qui sont autour de nous, le rapport à nos supérieurs. Bref, tout ce que ça peut impliquer. Pendant 6 jours, je fais ma vie. Et par contre, j'ai l'obligation, la nécessité d'avoir un temps où je vais pouvoir me libérer de tout ce qui fait ma vie en temps normal. Que ce soit pour Dieu au niveau de la création, que ce soit pour l'homme au niveau des choix qu'il a fait au cours de sa semaine, et même de celui qui n'a pas eu d'autre choix que d'aller vendre son corps pour pouvoir continuer à vivre, l'esclave, lui aussi, on doit lui laisser la possibilité de reprendre sa liberté. C'est pour ça que c'est tellement grave lorsqu'il décide de ne pas la reprendre. On doit avoir un temps on peut reprendre le contrôle, ou en tout cas prendre du recul, avoir un regard objectif sur ce qu'on fait en temps normal. Que ce soit donc sur notre temps ou nos libertés les plus basiques. Dans le cadre de la Terre, on a ce même rappel, sauf que c'est intéressant. Pour une fois, le rappel n'est pas ethnocentré. Bon, pour Dieu aussi, ce n'était pas ethnocentré. C'était centré sur la création du monde, sur l'urgence de donner vie à ce monde en devenir. Au niveau du Shabbat, c'est la vie courante qui est en jeu. Au niveau de l'esclave, ce sont les libertés essentielles qui sont en jeu. Et au niveau de la terre, ça ne concerne pas l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas, on donne à réfléchir à l'homme que tout ne tourne pas autour de lui. Ça ne concerne pas la décision de l'homme. Pendant 6 ans, d'accord, on te donne la permission de pouvoir travailler la terre, mais à un moment donné, tu dois te rappeler que la liberté qui était la tienne pendant 6 ans, en fait, tu es en train de jouer avec la liberté de quelque chose qui ne t'appartient pas complètement. Puisque Dieu dit « je vous donnerai la terre à condition que vous respectez ça ». La terre a son propre cycle. Et donc, à un moment donné, on doit aussi se rendre compte que tout ne tourne pas autour de notre perspective, nos libertés à nous. Et donc, pendant 6 ans, tu vas pouvoir travailler la terre,
c'est ton droit. Par contre, à un moment donné, tu vas te rendre compte que la terre ne t'appartient pas. Et donc, ça repose toutes les questions dont on parlait au début, qui étaient le rapport aux besoins de la nature elle-même. Certes, on peut s'en servir pendant un temps, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'aliéner de manière abusive les libertés qui ne nous appartiennent pas, Donc, lorsqu'on va travailler la terre et en profiter, on pourra dire encore dans une certaine mesure qu'on en a le droit, même peut-être le devoir dans une certaine mesure pour pouvoir se nourrir, mais à un moment donné, il va falloir aussi se poser la question jusqu'à quel point on est en train de se servir la terre pour nos besoins indispensables, et à partir de quand on est en train de se servir de la terre de manière abusive. Et donc, lorsqu'on nous dit pendant 6 ans, tu peux travailler la terre, et la 7e année, c'est Shabbat Shematon Yelaret, la terre aura son Shabbat. En fait, c'est pas toi, tu vas te reposer, tu vas t'arrêter de travailler. C'est pas le Shabbat, l'arrêt du travail ne te concerne pas à toi. C'est la terre, elle, qui doit s'arrêter de travailler. C'est sa propre obligation à elle. Il arrête, donc Shabbat l'Hachem. Ce Shabbat, elle le doit à Dieu directement, sans que l'homme rentre dans l'équation. La terre a son propre rapport à Dieu. Et donc, si tu continues à travailler la terre, tu es en train de retirer sa liberté, et c'est une liberté dont tu ne disposes pas. La liberté de retirer la liberté à la terre, celle-ci, tu n'en disposes pas. Et donc, c'est Hachem qui est en train d'annoncer ça à l'homme. Voilà les conditions dans lesquelles tu vas pouvoir t'inscrire dans le rapport à la nature et le rapport à la productivité. Et effectivement, on est aujourd'hui dans une génération qui a besoin de se poser cette question, parce que autant on peut dire que les siècles précédents, on n'avait pas le même rapport à la productivité, on n'avait pas l'industrialisation qui était autant développée. Donc certes, on était toujours dans la productivité, toujours dans vouloir gagner le maximum, etc. D'accord, certes, c'était toujours. On ne peut pas dire qu'auparavant, si on avait la possibilité, on n'aurait pas fait la même chose. Évidemment qu'on aurait fait la même chose. Mais on n'avait peut-être pas les moyens qu'on a aujourd'hui de cette industrie qui va nous permettre d'abuser autant qu'on abuse aujourd'hui. Ça rejoint, vous savez, le fameux jour à partir duquel on a déjà épuisé les ressources de la nature et à partir duquel on est en dette vis-à-vis de la nature. Bien, cette dette-là, ça va être la malédiction qui sera formulée dans le texte qu'on va lire. C'est-à-dire que si vous ne laissez pas la terre se reposer, la terre reprendra sa shemitah. C'est-à-dire qu'en fait, l'énergie dont vous aurez abusé, eh bien, la terre la reprendra quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre. Alors, effectivement, par exemple, les 70 ans d'exil qui ont eu lieu entre l'exil du premier temple et la reconstruction du second temple, eh bien, c'était donc les années de Shemitah qui n'avaient pas été correctement respectées. Mais indépendamment de ça, on peut se rendre compte nous-mêmes, à vue d'œil, on peut se rendre compte de ce qui se produit lorsqu'on abuse des sédiments, lorsqu'on abuse de l'énergie de la terre. On se rend bien compte qu'on est en train de détériorer la qualité de la terre. On est en train de détruire, en fait, littéralement la terre. Après, au-delà du fait de la manière dont on l'utilise, on se rend compte que les fruits, les légumes n'ont pas le même goût, que la qualité des nutriments diminue, et qu'en fait, on est en train de détruire, parce qu'on a perdu la conscience de cette autonomie de la terre et de sa propre liberté. Donc ça, c'est le contrat avec lequel Dieu engage le Bnei Israël avant qu'ils entrent en terre d'Israël pour pouvoir construire ce lien entre ce triptyque, donc Hachem, l'État d'Israël, et ensuite le peuple d'Israël qui rejoint ce diptyque qui le précédait, entre la terre et le peuple d'Israël qui ont précédé la venue de l'homme sur terre. L'homme s'inscrit, il arrive en dernier, il doit donc respecter le contrat de ceux qui l'ont précédé en s'y inscrivant à l'intérieur et non pas en imposant des choses qui ne lui sont pas dues. Donc ça, c'est une petite réflexion sur la sidra de Béhar. Cela étant fait, cela étant dit, je vous propose de passer pour ces quelques minutes qui nous restent, la Kabbalah de Shabbat, à proprement dit, en respectant, donc, comme on l'avait annoncé, l'ère de notre chère synagogue. Dans le Shaaret Tefila, c'est
Donc c'est à la page donc Mincha on l'a déjà fait. Charet Tefila, c'est donc à la page 104. Dans le Patach Eliyahu, c'est à la page 160. Et dans les deux cas, ça commence avec Lechu Neranina. Lechu neranena la donai nari aletsu ishenu nekadema fana petuda mizmirot nari yalo kiel gadol adonai umelek gadol kol ha'eloim אשר בידו מחקר ארץ ותועפות הרים לו אשר לו הים והוא עשהו ביבשת עליו יצרו בואי נשתחווה ונכרע נברכה לפני אדוני עושנו כי הוא אלוהינו ואנחנו עם מרת ובצן ידו היום אם בקולו תשמעו אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסע במדבר, אשר ניסוני אבותיכם, בחנוני גם ראו ופעולי, 40 שנה עקוד בדור, ואומר עם תועי לבבהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבואו, אל מנוחתי, שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בשרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העם נפלאות הרב, כי גדול אדוני מהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו, הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ולכה זכותיו, השתחרם אל רב קודש, חנו פניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מלאך, אף תיקון תבל בל תמות, ידין עמים במישרים, ישמחו השמים ותקל הארץ, ירעם הים ומלואו, יעלוז שדי וכל אשר בו, אז נראה לנו כל הארץ יער. לפני אדוני, כי היווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל וצדק. ויעמים באמונתו, אדוני מלך דגל הארץ, ישמחו עם רבים, ענן וערפל סביביו, צדק ומשפט מכון כסאו, אש לפניו תלך, ותבהל סביב צעריו, הרו ורקב תבל, רעתה ותחל הארץ, הרים כאדוני גנם עשו מלפני אדוני, מלפני אדון כל הארץ, יגידו השמיים צדקו, וראו כלם כבודו, יבושו כל עובדי פסל, המתהללים באלילים, ישתחוו לו כל אלוהים, שמעה ותשמח ציון, ותגן אבנות יהודה, למען משפטיך אדוני, כי אתה אדוני עליון כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים, אוהבי אדוני שנאורה, שומע לפשוט חסידיו, מיד רשעים יצילם, אור זרוע לצדיק, וליש חלף שמחה, שמחו צדיקים באדוני. והודו לזכר קודשו, מזמור שיר אדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושעי מילות זרוע קודשו, עוד יד אדוני ישועתו, לענג במגילת צדקתו, זכר חסדו ואמונתו, לבית ישראל ראו כל הארץ, את ישועת אלוהינו,
הריר אדוני כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו, זמרו אדוני בכינור, בכינור וכל הזמרה, בחס עשרות וכל שופר, הרי לפני המלך אדוני, ירמנו הים ומלואו, תבל ויהושע ונהרות עמך וכף, יחד הרים ירננו. לפני אדוני, כי היווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק. ועמים במישרים, אדוני מלך ירגזו עמים, יושב קרובים תנות הארץ, אדוני בציון גדול, ורם הוא על כל אלוהים, הכל העמים, ידעו שמך גדול ונורא, קדוש הוא, ועוז מלך משפט אהב, אתה כוננת משרים, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, אמרו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו, קדוש הוא, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו, קוראים אדוני והוא יענם. בעמוד ענן ידבר עליהם, שמון לבחור נתן לאמור, אדוני אלוהינו אתה ענית, מנוסה היית להם, ולכם מלאים לא טעם. רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו להקודשו, כי היא קדוש אדוני. אלוהינו, מזמור לדוד, הבו לאדוני בן אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד ירעים אדוני, על מים, על מים, על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר. כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. ויחקידם כמו עגל לבנון, וסיריון כמו, כמו, כמו בן רעמים. כל אדוני חושב להבות אש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובחלוק כולו מרכבות, כולו, כולו, כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז למו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. לך דודי, on va le faire avec un air qu'on a l'habitude de faire également à Télicite. Qui en fait est un autre air de Kalba qu'on n'avait pas fait la semaine dernière, qui n'est pas un air de l'Echa Dodi à la base, c'est l'air de, je crois, de Essa Enai, qui a été adapté sur le chant de l'Echa Dodi et qu'on fait également de temps en temps à tes sites. Ça donne ça. L'Echa Dodi, l'Echa Kalapene, Shabbat Nekabela. L'Echa Dodi, l'Echa Kalapene, Shabbat Nekabela.
שמע וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ותפארת ולתהילה, להיכד עודים, להיכד כלפי, לשבת נקבלה, להיכד עודים, להיכד כלפי, לשבת נקבלה, להיכד שבת, לכו ונלכה, כי מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה מחשבה תחילה, להיכד עודי, להיכד כלפי, נשבת נקבלה, להיכד עודי, להיכד כלפי, נשבת נקבלה, מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צהי מתוך ההפכה, רב לך שבת בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה, להיכד עודי, להיכד כלפי, נשבת נקבלה, להיכד עודי, להיכד כלפי, נשבת נקבלה, התנערי מאף הקומי, לפשי בגדתי תפתח תחמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קורבה אל נפשי גאלה, להיכד עודי, להיכד כלפי, שבת נקבלה, להיכד עודי, להיכד כלפי, שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כיווה אורך קומי אורי, אורי אורי, שיר דברי, כבוד אדוני, עלייך נגלה, להיכד עודי, להיכד כלפי, שבת נקבלה, להיכד עודי, להיכד כלפי, שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי, בך יחסו אני עמי, ונבנתה עיר על התהילה. להיכד עודי, להיכד כלפי, שבת נקבלה, להיכד עודי, להיכד כלפי, שבת נקבלה. והיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מבלעייך, יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן על הקהלה, להיכד עודי, להיכד כלפי, שבת נקבלה, להיכד עודי, להיכד כלפי, שבת נקבלה. ימין ושמאל תפחותי, ואת אדוני תעריצי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה, להיכד עודי, להיכד כלפי, שבת נקבלה, להיכד עודי, להיכד כלפי, שבת נקבלה. Dernière strophe, évidemment, si vous la ferez, lorsqu'on fera entrer Shabbat, Boi Beshalom Interevala, c'est lorsqu'on accueille le Shabbat, donc ça, ce sera au moment où vous ferez entrer Shabbat, chose qu'on ne peut pas faire puisqu'on est en train là de se voir par Zoom, donc ce n'est pas possible. Donc lorsqu'on aura terminé, qu'on aura raccroché, qu'on aura fini de mettre la taxe, etc., là, on pourra tranquillement commencer à faire entrer Shabbat, allumer les bougies, et là, on pourra faire Boi Beshalom, accueillir très solennellement, très chaleureusement, la reine du Shabbat, et ensuite passer un Shabbat formidable, malgré le confinement, enfin, des confinements, bref, vous avez compris l'idée, et puis se revoir à partir de la semaine prochaine pour les cours qui auront lieu lundi, mercredi, et jeudi, sachant que, ce coup-ci, jeudi,
c'est Yom Yerushalayim. Donc, il y aura certainement une soirée en particulier, pas forcément comme celle qui a eu lieu pour l'Agba Omer, qui était fort sympathique, avec une dizaine de rabbins qui ont parlé. Non, là, ce sera plus un peu, plus petit comité, enfin, une ou deux personnes, pour Yom Yerushalayim. Et par contre, on refera sûrement quelque chose de sympathique pour la veillée de Shavuot. On vous dira exactement quoi, mais ce sera sûrement une petite veillée sympathique avec plein d'intervenants. On est en train de travailler dessus. En tout cas, d'ici là, passez un excellent Shabbat. Profitez de vos chalot, Nathalie, du coup. Oui, merci. Moi, et les vôtres aussi. Qui derrière moi. Qui vous salue. D'ailleurs, vous pouvez laisser les saluer parce qu'elles ne seront pas là très longtemps, d'ailleurs. Et donc, la semaine prochaine, il y aura sûrement d'autres. Voilà, profitez bien de ce Shabbat d'Al-Rokota et la fin du livre de Vaïkra. Merci. À la semaine prochaine. Merci. Livre de Bamidbar. Shabbat, shalom. À voilà. Shabbat. Good Shabbat. Good Shabbat. Good Shabbat. Good Shabbat à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir.